أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous dans notre série Méditons ensemble quelques versets. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces sur nous, la grâce de l'islam, la grâce de la foi, la grâce du tawhid et de la sunna. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la santé. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour la paix dans nos demeures. On demande à Allah qu'il multiplie ses grâces sur nous et qu'il nous accorde la patience dans chaque situation de notre vie. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran, il dit la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Si mes serviteurs sont reconnaissants envers mes grâces, je multiplierai ces grâces là sur eux. Mais si ils sont ingrats, alors qu'ils sachent que mon châtiment est douloureux. Et nous disons Alhamdulillah ala kulli hal, remercions Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations, dans toutes circonstances. Donc aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la sourate Tauba, précisément le verset 24, où Allah subhanahu wa ta'ala Il incite les musulmans à faire des efforts dans son sentier. Il incite les musulmans, le croyant et ceux que la croyante à fournir des efforts sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire des djihad sur lui-même dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela même si cela ne plaît pas à sa famille, à ses proches, même si cela va atteindre ses biens et autres. Il ne faudrait pas que cela soit cause pour l'empêcher de faire des efforts sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إلى وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين. Il dit, Mohammed, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans et les biens que vous gagnez, le négoce, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah et son messager et la lutte dans son sentier, dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas des gens pervers. Sourate Tauba, verset 24. À travers ce verset-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? On voit que Allah subhanahu wa ta'ala a cité tout ce qui peut être un obstacle dans le dîn du croyant. Tout ce qui peut être un obstacle dans les étapes spirituelles du musulman et de la musulmane. Il n'est pas caché à quiconque que lorsque une personne adhère à l'islam ou une personne veut se réformer dans l'islam, c'est ces personnes et ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala a cité là, ce sont tous ces éléments, toutes ces personnes là et toutes ces choses qui sont comme qui se présentent comme des obstacles face à ce dernier. Si ce n'est pas la famille,
c'est-à-dire ton père ou ta mère, c'est tes oncles ou tes tantes, hein, qui te découragent, qui ne te motivent pas pour apprendre, qui ne te motivent pas pour avancer dans la religion. Hein. Ils peuvent te tenir des paroles. Hein, tu es jeune, hein, tu fais l'adoration comme un vieux, tu vas vite mourir. Hein. Quand un enfant prend l'affaire de Dieu au sérieux, il n'a pas longue vie. Hein, comme certains le disent, ou encore, hein, tu vois pas tes amis, hein, tu te fais rendre vieux, tu te fais rendre vieille, hein, ou bien ton clan, hein, tu es venu avec ta religion. Hein, nos grands-pères, là, eux ne connaissaient pas ça. Hein, eux étaient musulmans, mais t'as, toi, ton dîne que tu fais là, ils n'ont pas fait ça. Hein, ou bien tu veux dire quoi? Eux étaient sur le faux, ou bien ils n'ont pas compris la religion. Et c'est ce genre de situation-là auquel on est confronté, auquel le musulman et la musulmane est confronté. Le musulman et la musulmane, ceux qui font les efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font le djihad. Aujourd'hui, à la base, ce verset a été révélé pour le croyant, au temps du prophète sallam, qui était persécuté à la Mecque par les parents, hein, parce qu'ils ont accepté l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était contraire à eux, leurs croyances, qui était le shirk, l'associationnisme et le polythéisme. Et après des années passées à la Mecque, dans ces conditions difficiles, où le prophète sallam lui-même n'a pas été épargné par l'injustice, hein, des Mécois, alors subhanahu wa ta'ala les a contraints à immigrer, à quitter leur famille, malgré, contre leur gré. Ils n'aimaient pas ça, mais ils devaient le faire, parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec ça, il y a d'autres qui avaient toujours de l'attachement envers ces derniers-là, envers les pères, envers les mères. C'était difficile pour eux de quitter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce verset pour dire, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans et vos biens que vous gagnez dans vos commerces, que vous avez peur que ça ne tombe, et les demeures agréables que vous avez construites, ne veulent pas quitter, vous sont plus chers que Allah et son messager. Et le djihad, la lutte dans son sentier, les efforts dans son sentier, alors attendez à ce que Allah fasse venir son ordre. Allah a fait ressortir tout ce qui pouvait les scotcher à la Mecque là-bas. Il dit, si c'est ça que vous avez peur de perdre là, que vous ne devez pas faire pour Dieu, pour Allah, pour son messager là, et faites des efforts sur vous-même, faites des efforts physiques et des efforts spirituels sur vous-même pour aider la région de la, et dit, attendez, attendez, certainement moi, là, je vais envoyer mon ordre, hein, jusqu'à ce que Allah fasse son ordre. Et son ordre ici, les savants, ils disent, c'est quoi? C'est la victoire des musulmans. Si vous avez peur, vous craignez la perte de vos fortunes, l'amour de vos parents, qui vous empêche de faire des efforts dans le sentier de Dieu, attendez jusqu'à ce que j'accorde la victoire à ceux qui vont immigrer. Ceux qui vont obéir à Allah et à son messager, qui vont immigrer, je vais leur accorder la victoire. Et tu vois, et il dit, sache, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens pervers. Ne guide pas les gens pervers. Inna Allah la yahdi qawman fasiqin. Donc c'est un message. En même temps, c'est une mise en garde, en même temps, une motivation pour le musulman. Pour le musulman, c'est une motivation pour lui, celui qui fait des efforts, celui qui essaie de se réformer, qui essaie de lutter dans le sentier de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui essaie de se conformer au message de Dieu et de son messager, en déplaise aux personnes qui sont autour de lui. Ça, c'est quand il écoute ce genre de verset, ça l'encourage, c'est le fait que le motiver. Et tu vois, c'est le fait que l'amener à dépenser, à ne pas craindre la perte de son commerce en dépensant pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des efforts physiques pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des efforts spirituels pour se réformer pour Allah subhanahu wa ta'ala, être comme Allah subhanahu wa ta'ala et son message, être comme Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, et marcher selon les enseignements de son messager Mohammed alayhi salam. En même temps, une mise en garde pour ceux qui refusent de faire le travail de Dieu sous prétexte que ses parents ne sont pas d'accord, sous prétexte qu'ils vont le regarder avec un tel regard
ou sous prétexte que il serait écarté de sa famille. Ah, sache que des personnes plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus nobles que toi, ont été écartées. Des personnes qui avaient l'amour de leurs parents, comme Moussa Ibn Oumais, il a préféré quitter sa maman qui lui était chère. Il lui a dit quoi comme parole? Il dit, mais sache que si tu avais 100 âmes et que chaque âme devait sortir de ton corps, puis je suis en train de regarder, j'allais accepter cela que de régner la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait sa maman, certes, mais quand l'amour de sa maman est venu se confronter avec l'amour de Dieu et de son messager, Moussa Ibn Oumais, ce jeune sahaba, a fait preuve de foi. Il a montré la part des choses. Certes, je t'aime, maman, mais j'aime Allah plus que toi. Certes, je t'aime, papa, j'aime Allah plus que toi. Certes, ma famille, je vous aime, mais j'aime Dieu plus que vous. Parce que vous et moi, nous tous, on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et se plier aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un peu là quelques rappels à travers cette sourate, et particulièrement le verset 24. Peu importe la situation, peu importe la difficulté, il ne faudrait pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit puisse être une barrière entre nous et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous fasse la mise en pratique, qu'il nous fasse de nous un musulman plus sincère. Et je vous dis.